bienvenue au projet Rainbow et depuis la super plage de Malibu! Nos candidats travaillent dur et méritent de passer une journée de détente au soleil. Mais profiter du beau temps n'est certainement pas synonyme de relâchement. Si on est venu là, c'est pour un nouveau challenge! C'est pas vrai! Et pour vous guider dans votre prochain défi, voici l'esprit créatif qui se cache derrière le grand projet Rainbow, Maria Garcia! Bonjour à tous! J'ai hâte de voir fleurir toute votre nouvelle créativité grâce à l'environnement qui nous entoure. Et pour connaître le défi du jour, on a pris la fameuse palette de couleurs. Elle a fait tout le chemin depuis Shadow High. Parfait! Pour l'épreuve du jour, chaque équipe devra créer une tenue inspirée de ce que vous voyez là. L'océan! Vous allez pouvoir travailler dehors sous le beau ciel bleu de Malibu. Travailler dehors? Mais nos matériaux peuvent prendre l'eau ou fondre au soleil! Chaque équipe va choisir un objet sur le thème de l'océan en guise de source d'inspiration. En plus, vous allez évidemment utiliser les machines à coudre officielles du projet Rainbow. Oh, wow! Elles brillent de mille feux au soleil! La chef du groupe de Shadow High pour cette épreuve sera... Monique! Et celle de Rainbow High sera Michelle. Les filles, vous allez chacune choisir pour votre équipe un objet sur le thème de l'océan. Je reviendrai plus tard vous présenter l'invité spécial. J'ai trouvé une étoile de mer. C'est ultra dynamique, ça a du relief et c'est super glamour. Mais pourquoi on appelle ça comme ça en fait? C'est dans le ciel qu'on envoie des étoiles, pas dans l'océan. Tu veux prendre un oursin plat? Trop bien, non? C'est... un peu trop plat. Et trop beige. Et trop basique. Heureusement que j'ai l'immunité pour cette épreuve. On se motive, Shadow High. On est entouré de plein de choses inspirantes. Moi, je nous imagine déjà créer une super tenue de haute couture avec ça. Allez, les Shadow High, on peut le faire. Les oursins plats, ça me fascine. Ma mère m'en a ramené un de son voyage à Hawaï et je l'ai gardé chez moi pour me porter chance. On est toutes dépitées de ne pas pouvoir se relaxer. Mais le travail bien fait, ça nous connaît après tout. Oh, c'est juste que je vois pas comment ça peut nous inspirer un vêtement à la pointe de la mode. Les étoiles de mer, c'est fantastique. Quand j'étais petite, j'essayais toujours de chercher des étoiles de mer avec mon masque et mon tuba. Oh oui! Moi, quand j'étais petite, je dessinais des étoiles de mer partout sur mes cahiers d'école. Moi, je trouve ça cool qu'elles aient des yeux sur chaque bras. Donc avec ça, elles peuvent voir les gens de tous les côtés. Hyper utile! J'ai envie de contribuer au projet, mais je suis pas inspirée, je suis trop fatiguée. Peut-être que je devrais jeter l'éponge de mer et puis c'est tout. Notre tenue est incroyable, les amis. Une combinaison? Audacieux comme choix. On s'est inspiré des lignes structurées qu'on peut voir sur les bras de l'étoile de mer. Mais là, d'après ce que je vois, la combi m'a l'air un peu... passe-partout. Oh! Il faut que ça fasse défilé de haute couture, pas journée à la plage. Oui, c'est vrai. Vous l'avez entendu. Ce qu'elle veut, c'est un défilé de folie. Victoria, tu vas bien? Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai. Je sens que ma créativité est bloquée. La créativité suscite beaucoup de défis. Quand j'ai cette sensation, ce que je fais, c'est que je prends du recul pour tenter de voir les épreuves sous un autre angle. Je vais essayer. Un autre angle. Ses yeux! C'est ça, oui! Chanel, renforce le bas de la robe. Il manque un truc, je trouve. Un peu d'éclat, à mon avis. Je crois que je sais. Une traîne. Une traîne? Comme sur une robe de mariée? Non, je pense plutôt à une longue traîne bleue. Ça prouverait qu'on a vraiment été inspiré par le thème de la semaine. Ça peut fonctionner, oui. J'aurais bien suggéré d'ajouter des perles, mais je suis vraiment HS. Ça fait trop de travail à faire. Donc, si Rex veut s'occuper du projet, alors c'est comme il veut. Posez vos aiguilles, c'est terminé. Je vous avais promis un invité extraordinaire. Et donc, il nous vient de Pacific Coast High, voici Finn Rosado.
J'ai hâte de voir les tenues que vous aurez créées sur le thème de l'océan. Des volants dorés, c'est pas mal. Une combinaison pour un défilé d'exception. Ça me donne bien envie de prendre le large. Enfin, c'est dans le bon sens. Vous avez su créer une tenue polyvalente qui convient au travail comme au défilé. Victoria, les dorures que tu as ajoutées nous ont vraiment médusées. Donc félicitations Victoria, tu es la gagnante de cette épreuve. Malheureusement, la tenue de Shadow Eye a tout déchiré. Mais pas dans le bon sens puisque c'est la traîne qui s'est littéralement déchirée. C'est Rex qui avait donné l'idée de la traîne. Mais étant donné qu'il a l'immunité, nous devons éliminer quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Carla. Tu as accepté cette idée qui ne te plaisait pas simplement parce que tu étais trop fatiguée pour faire un effort, alors que si tu l'avais dit, ça aurait pu te sauver. Prends tes affaires parce que tu retournes en classe. Je suis vraiment désolée, Carla. C'est pas grave. Rentre à bientôt, bien, Carla. Merci d'avoir sauvé notre tenue, Victoria. Je suis contente. J'ai enfin réussi à voir les choses sous un autre angle. Eh bien, nos équipes ont l'air d'avoir passé un bon moment à Malibu. Mais il est grand temps de retourner dans les locaux du projet Rainbow. On se voit au prochain épisode pour le projet Rainbow! Bon retour dans nos locaux, chers apprentis créateurs! Rex et Monique, échangez vos places avec Avery et Victoria. Vous allez encore travailler avec vos concurrents. Ouh, ouais. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle fois Lila Klein. Elle change de bord pour devenir mannequin du projet Rainbow jusqu'à la fin de la compétition. Deux autres mannequins vont venir pour la rejoindre. Blue Brooks et Pinkie Page. Vous pouvez choisir de prendre l'un de ces nouveaux mannequins ou l'un des trois mannequins d'origine du projet Rainbow pour le reste de la compétition. Vous avez deux fois plus de choix, mais réfléchissez bien, parce qu'il faut adopter une bonne stratégie pour les prochaines étapes. L'épreuve du jour consiste à créer la tenue qui représentera parfaitement la nouvelle musique hors du commun par la compositrice Delilah Fields. Sa musique sera chantée en tournée par la nouvelle soliste de Rainbow High, Sabrina St. Cloud. Sabrina et moi, on est très différentes l'une de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait la paire. Tu sais ce qu'on dit? Les opposés s'attirent. Ensemble, on peut dire que notre chanson est hors du commun. Bonne chance à tous! Et ça commence tout de suite. Y a pas de doute, faut une tenue d'astronaute chic. Ça pourrait le faire, oui. Ou une déesse céleste. Eh ben, pourquoi pas? Oh, fashionista futuriste. Moi, je pense direct à des gens d'OVNI quand j'entends ça. Oh, je sais, les aliens. Oui, un alien qui serait en vogue. Un martien moderne. Ça peut être chouette, mais je suis pas sûre que la chanson parle de l'espace. Si on regarde bien les paroles... Et pourquoi pas ça? J'adore ça. Ah, ça va pas. On n'avance pas avec ces idées. Quelle tenue représenterait cette chanson et donnerait assez d'assurance à Sabrina pour sa tournée? Ok. Donc là, les paroles, elles expliquent comment le fait d'être hors du commun provient d'étoiles qui s'entrechoquent, qui brillent de mille feux et de la gravité qui ne nous retient pas. Donc cette imagerie astronomique est une métaphore? Oui, moi je pense que c'est la confiance en soi qui te fait briller, c'est ce qu'elle dit. Et rien ne brille plus dans le ciel que le soleil. Et la lune. Ah, tu m'as trop manqué. Quelqu'un a parlé de Luna et de moi? Je veux dire, du soleil et de la lune? J'espère que vous êtes sûrs de vos tenues finales, parce que les enjeux sont très très hauts pour cette épreuve.
Tous les membres de l'équipe perdante seront éliminés, sauf une personne. Pour les gagnants, une personne partira aussi du groupe. On ne savait même pas ça. Il y a 5 personnes qui seront éliminées et renvoyées en classe. Oh, ça fait un paquet d'amis à qui on va devoir dire au revoir. Des fois, vaut mieux qu'il y en ait moins. On devrait peut-être enlever un bijou. Ou bien 3, faut qu'il y en ait moins. Vous êtes sûre? Mais il n'y a jamais assez de trucs qui brillent et scintillent, pas vrai? En fait, je suis rayonnante grâce à vous et bien plus légère. Et la tenue peut enfin montrer ce qu'elle a en réserve. Je sais que je suis une espèce d'extraterrestre, mais là, je sens que c'est... un peu trop. J'ai du mal à bouger, là. Ouais, mais faut souffrir pour être belle. Moi, je te trouve sublime. Si elle n'a pas confiance en elle, peut-être que réfléchir à des changements, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on peut faire quoi comme changement? Si elle a du mal à bouger, on pourrait faire une fente à la robe pour que ce soit plus simple de marcher. Et on a le temps de faire tout ça? Passez-moi mon découvite. Posez vos aiguilles! C'est l'heure du défilé! Si jamais tu es stressée, souviens-toi des paroles de la chanson de Delila. N'aie pas peur et brille, tu es une fille qui pétille. Et nous, on a beaucoup de chance de t'avoir pour le défilé. Merci, Skyler. We can be whatever you want, girl. Make the rules up as we go, girl. Step into our power, a moment of golden hour. Possibilities out of this world, girl. Take a look in the mirror. Personnellement, je suis très touchée que ma chanson vous ait inspirée pour créer cette tenue. Et en plus, elles sont trop tendances. Moi, j'ai trop hâte de pouvoir porter une de ces tenues d'un autre monde pendant ma tournée. Oui, mais laquelle choisiras-tu, Sabrina? L'équipe 1? Utilisez le soleil et la lune comme des opposés qui brillent tous les deux, mais de façon différente. Oh, ça représente parfaitement le duo que forment la compositrice et la chanteuse. Équipe 2, vous avez su faire d'un concept une vraie tenue de haute couture. Tout ça sans tomber dans le costume. Moi, j'aurais une question. Sabrina, est-ce que tu te verrais porter une de ces tenues sur scène? Alors, si je devais être honnête, je ne pense pas que je serais capable de porter une robe qui est trop cintrée. Ça mettrait pas en valeur ma silhouette quand je serais sur scène. En plus, ça demanderait trop de temps pour le maquillage avant chaque représentation. Malheureusement, l'équipe numéro 2, vous n'avez pas réussi. Ce qui veut dire que l'équipe gagnante du jour est l'équipe 1. Ouais, on a réussi. Youhou. Et pour ses idées et son inspiration puisée dans les paroles de la chanson, la gagnante du jour est... Hensley. C'est pour toi, Hensley. Équipe 1, vous devez voter pour éliminer un de vos membres. Et l'équipe 2, vous devez voter pour garder une seule personne. Tous les membres de l'équipe doivent partir, sauf un. Je sais pour qui je dois voter. Tout le monde a voté. La personne de l'équipe numéro 1 qui a été éliminée est une créatrice très talentueuse. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi à dissiper ses doutes aujourd'hui, ce qui a fait ralentir son équipe. Je suis désolée, Victoria, mais tu dois retourner en classe. La créatrice de l'équipe numéro 2 qui a été choisie pour rester a réussi à résoudre les problèmes de son équipe. Elle a su encourager toute son équipe et même leur mannequin. Félicitations à Skyler! Oh, je peux pas le croire. Toute mon équipe a voté pour moi pour que je puisse rester. Peut-être que je vais finalement avoir mes chances de gagner. Vos coéquipiers ont parlé. Victoria, Michel, Rex, Monique et Olivia, rangez vos affaires. C'est l'heure pour vous de retourner en classe. Tenez-vous prêts, parce que le prochain épisode, c'est les demi-finales!